13, Sacha Bogdanov. Sacha est l'un des 6 enfants d'Igor Bogdanofing sur le TPMP 7. Le lundi 27 mars 2023 a été interrogé pour la première fois sur l'héritage de son père qui avait l'habitude de ne pas garder beaucoup d'argent. L'argent revenait et est sorti immédiatement. Mon père avait toujours une idée en tête, de nouveaux projets. Invité sur le 7 TPMP, ce lundi 27 mars 2023, Sacha Bogdanov a été interrogé à propos de son père, Igor. Elle est ensuite revenue aux derniers instants de sa vie. En décembre 2021, Igor et Grishka Bogdanov ont été hospitalisés après avoir contracté le Covid-19. Quelques jours seront suffisants pour que le virus prenne de l'ampleur et tue les jumeaux. La jeune femme a été interrogée pour la première fois sur l'héritage de son père qui ne gardait pas un lot élevé. L'argent était en revenant, et sorti immédiatement. Mon père avait toujours une idée en tête, de nouveaux projets, qui n'ont pas toujours travaillé. Gérer l'argent, ce n'était pas leur truc. Une année très difficile, nous avons respecté son choix. Inhérence, hommage et ombre. Sacha, la fille d'Igor Bogdanov, sort du silence dans hashtag TPMP. Pic.twitterxfic4uac, TPMP 27 mars 2023. Malheureusement, Igor Bogdanov mourra 6 jours après son frère. Cyril Hanouna voulait alors savoir si ses proches soupçonnaient qu'il rejoindrait son frère jumeau, trop affecté par sa perte. Nous pensions, jusqu'à la dernière seconde, mais la vie est ainsi faite. La jeune femme confie qu'elle n'était pas en colère contre son père de ne pas avoir été vaccinée contre le Covid. Je respecte choix, nous avons respecté son choix et nous le respectons toujours. Transformation physique de père. Lui demandant, plus franchement, était-ce refait ou non? La fille d'Igor Bogdanov se confie dans la transformation physique de son père, mais la jeune femme ne dira pas plus. Cela fait partie du mystère de Bogdanov et il leur appartient. Je les laisserai, et je dirai absolument rien. Je pense que nous avons parlé assez dans le parement. C'était leur mystère et moi l'avons resté. Ils n'ont pas tout dit et ils avaient leur jardin secret, leur intimité, et je pense que nous n'avons pas à dire tout dans les familles non plus.